Vous oubliez mon chapeau, encore un coup de mon père. Ah mais non, je vais sur la tête. Bon, oh, je suis bête comme un métier. Ça, c'est à cause de la chaleur. J'ai le thermomètre comme une agressée, et c'est la grève de la façon de le jour, lui. Mais quelle heure il est? Mon Dieu, qui fait chaud! On est bien à Marseille, hein, avec ton soleil de plomb qui tape sur les casquettes et aussi sur les chapeaux. C'est tellement chaud qu'on peut même attraper l'insolation avec le chapeau. J'exagère. Et moi, j'en peux plus. Hein. Je vais boire un coup, si ça ne vous fait rien. Allez, à la bonne heure. Bon Dieu, qu'elle est fraîche. Ah, bonne mère. C'est comme les midi par ici. Au chant des cigales, vous les attendez, hein? Ah, c'est que ça me fait plaisir. Eh oui, ça me fait plaisir. Je sais, c'est pas vraiment le midi. Non, remarquez, c'est pas le nord non plus. Mais là-bas au moins, il doit faire frais. Non, ici, c'est Marseille. Et c'est mieux. Et Marseille, vous voyez, ça sent la Provence. Avec son sel, sa lavande, sa folle bouillabaisse, hein. Et sa farigolette, qu'on trouve dans la garrigue, si elle n'a pas brûlé, hein. Marseille, sur un plan géographique, hein, c'est en bas, à droite, tout au fond, avec reste. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est pas non plus un placard de cuisine. Je vois la dame au fond qui veut que j'y reste. Rosette, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ah oui, c'est moi maintenant. Je vais vous chanter des chansons de Marseille, hein? Des chansons du chenille. Des chansons du comique Fernandel. Vous le connaissez? Ah, ça, c'est un grand monsieur, hein. On n'en voit plus les comme lui par ici, hein. Eh bien, on va lui rendre un petit hommage, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Vous connaissez ces chansons? Répondez pas tout à la fois, hein. Des fois que je veux comprendre. Alors, on y va? À musique, hein? Quand les cigales se seront plus. Elle n'empêche presque de chanter. Mon Dieu, qu'elle chante fort aujourd'hui. Si, elle fond du bruit. Alors, je vais commencer par une chanson intellectuelle, néerlandaise. Elle s'appelle, attendez que ça me revienne. Ah oui, le cul du berger. Vous voyez, c'est intellectuel, non?